pour voir la réalité et les sens des choses, est totalement dans l'erreur, d'après tout ce qui vient d'être dit. On voit bien qu'il y a un problème. Ceci dit, on a l'équivalent en philosophie contemporaine. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de Husserl, l'intentionnalité de la conscience, conscience de quelque chose, etc. Bon, Husserl, c'est le point de départ d'un courant de pensée qui existe encore aujourd'hui, qui est dominant même, qu'on appelle la phénoménologie. La phénoménologie, vous voyez dans le nom, phénomène, l'idée est que, en allant à la perception, d'ailleurs Merleau-Ponty en fait partie, Merleau-Ponty, son gros bouquin, son œuvre phare, disons, c'est une phénoménologie de la perception, autrement dit, percevoir et décrire ce que l'on perçoit, c'est décrire la réalité au sens des choses.